Bonjour et bienvenue, nous sommes ici au salon, l'expo Remove. On a ici l'expo donc de e-France Café sur lequel on vous met des casquettes parce que ça va cogner au niveau soleil. On a aussi des t-shirts, bien sûr les inscriptions, les formulaires d'inscription. Voilà, donc vous pouvez rejoindre l'association qui bouge beaucoup. Vous avez des petits goodies qui sont fournis à tous ceux qui viennent nous visiter. Et là, donc, c'est une partie qui est à vendre. Donc, notamment, il y a le fan club MG Motor FR et vous avez le fan club BYD France qui est dans le stand BYD que je vous invite à aller visiter également. Voilà, donc, pour faire un petit tour vite fait, on a pas mal d'associations présentes. Venez jeter un œil, il y a aussi les baptêmes. Et ouais, venez essayer une voiture électrique. On est au stand BYD, comme vous pouvez voir. Et là, on a donc tout ce qui est inscription pour en fait e-France Café. Nous avons aussi des goodies à pouvoir vous donner. Regardez, porte-clés BYD, hein, des stylos BYD, des sambons. Enfin voilà, on a aussi de la doc pour tout ce qui se passe sur les voitures électriques avec Vinci. Voilà, on a prochaine expo. Donc, grande expo, la 7e montée historique à Sacy-sur-Marne, en Seine-et-Marne. Voilà. Et puis, pour ceux qui veulent, nous avons donc des t-shirts au nom du fan club BYD France. Et puis, on a même un exemplaire du blouson. Voilà. Donc, c'est dispo. On a du stock là-bas derrière. On a aussi des casquettes au nom du garage Basvel Auto Service. Donc, laquelle vous avez accès, en fait, aux vidéos, notamment BYD. Voilà, et puis alors surtout, on a l'exposition ici de deux BYD. Voilà. Donc avec la toute dernière Silvio qui est présente. Donc n'hésitez pas à venir pour l'essayer, pour la voir. Et puis ici, donc, la fameuse Sil qui est partie au Portugal. Alors nous voici en vidéo, donc nous sommes sur la piste avec la Silvio, donc avec un propriétaire d'une Sil berline. Voilà, donc comme ça il va nous donner son impression. Donc on est casqué, on est... Ah ouais, c'est une grosse épingle. Oui, c'est celle-là qu'il faut. Donc on a la Astra qui nous a doublé. Alors bien sûr on est sur un SUV, hein, donc on n'est pas du tout aussi réactif. Alors en tant que passager, je sens que les freins ils mordent bien. Oui. Hein, bon bah le pilote nous confirme ça. Et elle se rattrape bien quand on arrive un peu vite. Là, on a une BM qui est derrière. Oui, je la vois. Je vais la laisser passer à la sortie du virage. Je vois que vous avez des réflexes. Voilà, la BM comme ça va pouvoir passer. Ah oui, la BM, elle... Ah bah la BM, elle envoie. Alors faites gaffe, c'est ici le freinage. Ah oui, il a bien mordu le frein.
Ouais. Ah, je suis assez surpris. Ah, Olivier qui est avec son drone. Oui, on vient de le voir passer. Il tire bien, hein. Voilà, et le prochain tour, donc on va le faire tout doucement, c'est pour les prises de vue. Le warning dans ces cas-là. Non, pas la peine. Allez. Ah non, il s'arrête. Non. Là, il s'est arrêté. Non. Et là, maintenant, prochain tour, donc doucement.